En matière de santé publique, vous avez interrogé la Commission européenne sur les risques associés à la nouvelle formule du Levothyrox, un médicament de référence contre les insuffisances thyroïdiennes. Environ 3 millions de Français souffrant d'insuffisance thyroïdienne sont traités au Levothyrox. La nouvelle formule substitue le mannitol au lactose comme excipient et comprend également de l'acide citrique anhydre comme conservateur. Depuis sa mise en circulation en mars dernier, de nombreux effets secondaires présumés liés à la prise du nouveau Levothyrox ont été signalés à un numéro vert spécifique qui a reçu depuis le mercredi 23 août au moins 70 000 appels. J'ai donc alerté la Commission européenne sur cette question. Dans le cadre de ses missions de pharmacovigilance, celle-ci est spécifiquement compétente en matière de surveillance des effets secondaires des médicaments autorisés sur le marché européen. Elle pourra donc faire pleine lumière sur cette question.